Ah bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Une seconde, je fais de la place. J'enlève mon fauteuil, je me mets debout. J'espère que le micro est bon. Oui, normalement, ça devrait le faire. Vous m'entendez bien. Normalement, vous m'entendez même trop bien, peut-être. Je vais baisser un tout petit peu. Bonsoir, Axor. Bonsoir, Waini. Bonsoir, Balle de Sang. Gorka, coucou, Poaman. Sylvain, salut. Merci pour le host, Gorkag. Ah, et donc, passons sans plus tarder à la scène de cuisine, oui. Très bien, j'espère que vous entendez bien la musique également derrière. Normalement, ça devrait le faire. Eh bien, bonsoir, j'espère que vous allez bien en cette semaine de la SGDQ. Ah, merci pour l'host, Poane, merci Axorm pour le host. Des gros bisous. Pour cette semaine de la SGDQ, et oui, contre toute attente, je stream, je ne respecte rien, je stream alors qu'il y a la SGDQ en face, voilà, c'est un peu comme Mario finalement, donc mieux vaut regarder la cuisine plutôt que de regarder Mario. Et donc, ce soir, Rémi, merci pour le host, coucou Link, salut, Dio, salut, KLC, bienvenue. Et donc, coucou, hein, vous voyez mes mains, pour ce stream, pour cet épisode de Cuxedo Mama, eh bien, nous allons faire tester cette recette, comment pourrait-on dire, nippo-alsacienne. Merci pour le follow, Gadji7, des gros bisous, et coucou Choups. Il n'y a que les raclures qui stream pendant les GDQ, évidemment. Qui mange des sushis alsaciens présentement. C'est vraiment formidable. Aynamora, des bisous. Nous allons essayer cette recette nippo-alsacienne venue des confins de la Néo-Austrasie, de la Néo-Strasbourgie. Et donc dédicace aux Alsaciens qui sont sur ce chat. Alors, la photo que j'ai postée sur Twitter peut-être va vous maintenir un peu dans l'erreur. On va pas faire exactement ça, parce que ça, les sushis hein, donc, que j'ai montré sur Twitter, effectivement, bon, il y a un tas de riz avec une saucisse knacky dessus, et c'est tout. Bon, donc là, on va essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, et pour cela, eh bien, nous allons faire, en fait, eh bien, des makis. Voilà, hein, des makis aux saucisses, des makis aux knacky, des makis knacky finalement. Des sushis aux saucisses, assis d'accord qui relance le débat. Donc des makis aux knacky, on va essayer, hein, on va essayer et puis on verra ce que ça donne. Je n'ai jamais fait, absolument jamais fait cette recette, vous vous en doutez bien. J'ai trouvé une espèce de recette sur internet fort dissidente, mais le blog a l'air assez legit, donc on va tenter avec ça. J'ai également des instructions sur ma boîte d'algues nori, hein, que vous voyez là, ces algues qui vont nous servir à faire donc ces makis. Coucou Gazesnake, très beau pseudo. Je suis fan du pseudo déjà. Et donc avant de commencer, voyons voir eh bien, les ingrédients que nous allons utiliser pour faire ces sushis au knacky, ces maki knacky. Donc tout d'abord, nous allons utiliser effectivement du riz. Alors le riz, des makis de réduction. Merci pour l'os, KLC. Bien sûr qu'il y aura du Perrier, balle de sang, c'est un petit peu évidemment mon ingrédient personnalisé. Donc, pour ces sushis au knacky, j'ai déjà fait cuire le riz. Parce que comme je n'ai pas de moyen de filmer ma cuisine, effectivement, ça aurait été un petit peu quand même pénible de voir voilà, partir pour faire cuire le riz, etc. Donc, je l'ai déjà préparé. Alors, le riz, c'est un riz, c'est ce riz-là, hein, donc riz arborio. Je vais le montrer à la webcam. Non mais en fait il faut que je le montre de la bonne, voilà, comme ça. Riz arborio pour risotto, voilà. Donc du riz qui cuit beaucoup, quoi. Il faut le faire se gorger d'eau. Donc moi ce que je fais, donc je vais rajouter dans les ingrédients nécessaires, hein. Ce que je fais moi avec ce riz arborio, eh bien c'est
de mettre. Alors là, j'en ai fait 200 grammes, donc ça, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il faudrait en faire peut-être un peu moins. Donc je vais le marquer entre 150 et 200 grammes, j'imagine. Et puis, alors pour le faire cuire, ce riz, en fait, donc on va le faire cuire dans. Alors oui, il ne faut pas que je dépasse trop, voilà. Cuit donc, comment dire, en le gorgeant d'eau, hein, par absorption, cuit, pardon, je vais rajouter, cuit par absorption, voilà. C'est-à-dire qu'il va se gorger de toute l'eau que vous allez mettre, donc environ, en gros, un volume de riz pour deux volumes d'eau, voilà. Voilà. Et également dans ce riz, j'ai mis une préparation, je l'ai un peu aromatisé en quelque sorte. Le débug menu avant même de cuisiner. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle emote, hein, n'hésitez pas à l'utiliser, voilà, Eric Besson. Une emote évidemment formidable. Alors le riz n'a pas cuit dans du Perrier. Non, le riz n'a pas cuit du Perrier, je me respecte quand même. Je respecte ce riz. Et bonsoir, jamais de bol. Donc, deux volumes, un volume de riz pour deux volumes d'eau. Et dans ce riz, j'ai également mis, dans ce volume d'eau, j'ai mélangé un petit peu avec un peu de vinaigre de riz. Plus du sel, évidemment, du sel dans l'eau. Bon, ça c'est normal. Ce vinaigre de riz, c'est celui-ci. Voilà, donc bon, vous voyez, hein, je l'ai pris chez mon hypermarché partenaire. Voilà, pas de marque. Voilà, vinaigre de riz pour riz à sushi et assaisonnement. Donc c'est exactement ça, sans additifs, hein, vous voyez. Donc un vinaigre de riz parfaitement idéal pour faire cette recette incroyable. Donc ce vinaigre de riz que je mets de côté puisque je l'ai déjà utilisé, donc je vais le poser, je vais débarrasser un petit peu ma table parce que là il y a beaucoup trop de choses sur ce bureau. Alors oui, je suis devant mon PC bien sûr, donc énormément de choses, beaucoup trop de choses. Si quelque chose ne se casse pas la gueule avant la fin de ce stream, ce sera merveilleux. Et coucou Jonoyo, salut. Ah, j'ai un truc food sur Twitch, j'ai mis créative. Ah, c'est pas créative qu'il faut mettre ? Ah mais oui, tu as raison, mais non, non, Food Network, non, Food, non, je crois que c'est créative, hein. Et oui, je vais à Cora, bien sûr. C'est pas créative, Food. Si, je crois que c'est Food, je crois que c'est dans créative. Alors, c'est pas social eating, parce que je vais pas, enfin, quoi que je vais manger après, je vais les goûter, donc, bon, je pense qu'évidemment, ce sera du social eating, mais le stream ne va pas tourner uniquement... autour de ça. Ah oui, voilà, les japonaises qui mangent des nouilles, sans doute un espèce de fétiche, j'imagine, partagé par de nombreuses personnes. C'est pour ça que, évidemment, Twitch a mis ça en place. Je ne vois pas quelles pourraient être les autres raisons. Alors, les ustensiles, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à utiliser, à part, bon, une casserole pour faire cuire le riz, évidemment. On a dit qu'on fera des claquis. Oh là là! Mais oui, c'est vrai. Ah. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Oui, t'avais dit qu'on ferait des knackis. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Eh ben oui. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Eh ben oui, parce que... c'est... Oui, non, alors, pas... non, faut pas se taire, par contre, à moi. Donc, évidemment, ce riz, il ne va pas rester tout seul. Il va se marier de la façon la plus élégante avec... le sushi au knackis, c'est criminel. Je tente un procès, c'est pas grave. Ce riz, il va se transformer de manière parfaite avec des knackis. Alors, je n'ai pas des knackis en saucisse, mais j'ai pris eh bien ces knacky balls. Voilà, hein, ce pot de knacky balls. Et même, petit jeu de mots, hein, puisque nous sommes en période d'euro. Voilà, c'est knacky football original. Alors, je suis un peu déçu parce que sur la boîte, je sais pas si on voit bien là, parce qu'il y a un peu des reflets. En plus, je vois même pas ce qu'il y a devant la caméra. Attendez, je vais pousser la fenêtre, parce que comme ça, je vais aller. Il y a un petit peu des reflets, mais en gros, voilà, sur la boîte, il y a des knackis en forme de ballon de foot, quoi. Et donc, je me disais, waouh, ils ont peut-être mis des rainures sur les knackis, etc. Et en fait, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que je les ai ouverts, mais... Ah, quoi que si!
Oh là là, si! Alors ça se voit pas, mais en fait, je suis en train de voir à la lumière là. Il y a des espèces de petites alvéoles comme des balles de foot. Incroyable. Incroyable. Knacky qui est toujours là pour nous surprendre, évidemment. Donc les Knackyballs, hein. Que nous allons faire, je vais les faire réchauffer. Alors celle-là, par contre, je ne les ai pas faites réchauffer encore, puisque c'est facile à le faire au micro-ondes, ça prend 30 secondes. Et nous allons utiliser, évidemment, eh bien, ces algues. Voilà. Knackyball, hein, Knackyball, c'est bon d'avoir les boules. Vous vous souvenez de cette publicité? Les pixels de Knackyball. Alors voilà, donc il y a un mélange avec le vinaigre de riz, hein, Jonoyo. Dans le riz que j'ai là, j'ai déjà mis du vinaigre de riz, etc. Il est en train de refroidir. Et donc ces algues nourries, feuilles d'algues grillées, dont on va se servir pour eh bien, faire ces sushis-là. Alors, je sais pas, vous voyez, hein, sur les instructions, là normalement il y a tout un setup avec une espèce de natte de bambou, etc. Moi je n'ai pas la natte de bambou, donc je n'ai que eh bien, cette plaque-là. Avec du papier cuisson Cora, encore une fois, petite pub pour Cora. Et bien, donc nous allons utiliser ce papier cuisson au lieu du machin, de la feuille, de la natte de bambou. Nous sommes weeb, mais pas à ce point. La Weeb TV n'a pas encore les moyens de se procurer tous ces ustensiles intrigants et nécessaires pour tout un setup incroyable. Donc je vais enlever cette petite fille très mignonne et je vais rajouter donc les ingrédients que je viens de donner, donc vinaigre de riz, etc. Et puis j'ai dit donc les feuilles nori, là, les algues nori. Algues nori, et puis j'ai dit en plus, voilà, des knacky bowls. C'est bon d'avoir les boules. Alors ne faites pas attention, bien sûr, à ce qui défile en bas de votre écran. Medieval Soon, notamment, je suis en train de voir. Je ne sais pas qui a mis ça. Sans doute quelqu'un d'assez dissident. KLC qui nous Oh là là, c'est très très bizarre la texture de ces feuilles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà touché. En fait, je pensais que c'était beaucoup plus humide, mais pas du tout, c'est très sec. Faisons. Ça n'a pas d'odeur, hein. Enfin, ça a une odeur de polystyrène. Ouais, ce sont des algues grillées, quoi. Alors, par contre, il y a deux faces. Il y a une face genre papier de verre, et puis une face beaucoup plus lisse. Donc, je ne sais pas quelle face je vais utiliser. Ah, le petit sachet pour éviter que ça prenne l'humidité, justement. Donc, comment faire des makis sushi? Avec les mains humides. Ah, les mains humides. Donc, ça, j'ai pris un petit bol. J'ai pris un bol sur le côté. Ah, petit trick. Voilà, un petit setup. Comment dire, petite astuce, bien sûr. J'ai un petit bol sur le côté avec un peu d'eau pour humidifier mes mains. Avec les mains humides, poser une feuille de yakitori sur la natte de bambou et établir environ 4 cuillères à soupe de riz sushi. Donc c'est ça, ce riz, hein. Sur les 3 quarts de l'algue, ajoutez vos ingrédients coupés en fines lamelles, les disposer au niveau du premier quart et ensuite il va falloir rouler. On va rouler, hein. Très bien. Donc, je vais d'abord, eh bien, faire cuire les. Je vais poser ces feuilles de sushi là à côté. Je vais aller faire cuire les knackis. Alors, les knackis, comment ça se cuit? Vous avez le setup ici, hein. Entrouvrir l'opercule. Donc, on entrouvre l'opercule. Remettre le couvercle. Et donc, 30 secondes. Secouer, et puis encore 30 secondes. Et puis, laisser reposer un petit peu. D'accord. Donc, je vais mettre ça 30 secondes au micro-ondes. Je reviens, évidemment. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Il faut un peu de sucre. Ah oui, du sucre. Non, mais j'ai mis du sucre. Oui, j'ai oublié de marquer. Oui, tu as raison. Non, j'en ai mis du sucre, effectivement. Tu as raison, j'ai oublié de le noter. Je vais le rajouter, effectivement, dans le vinaigre de riz et dans le sel. Le vinaigre de riz, j'en ai mis, on va dire, 3 cuillères à soupe, je crois. Plus sel, plus sucre. Le sucre, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Voilà, donc là, effectivement, donc 2 cuillères à soupe, je vais mettre un accent pour qu'on comprenne bien. Hop. Ok.
Alors, tandis que je lis le chat, hein, je récupère le chat. Oh, Hardy qui ne croit pas à mon skill, mais oui, ça va se passer très bien, vous inquiétez pas. Une pochette plastique. Hardy qui a priori est un pro du sushi, hein, donc. Voilà, je vais le mettre comme ça d'ailleurs parce que ça va être plus pratique pour rouler, je pense. Voilà. Ah, j'ai entendu le premier ping du micro-ondes. Donc j'ai secoué hein, et j'ai remis 30 secondes, tandis que peut-être que je peux vous montrer mon tablier. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir ce tablier? Je ne suis pas sûr que vous soyez prêts. Un tablier Mickey. Mais oui! Hop. Je remets. Voilà, je déplace un petit peu. Pendant ce temps... Ah oui, il faut que je trouve, il faut que je prenne le perlier, bien sûr. Voilà, le petit ingrédient évidemment essentiel, l'ingrédient surprise, l'ingrédient un petit peu de qui fait la finesse et la particularité de ce stream de cuisine. Eh bien, c'est le Perrier. Hein. Alors le Perrier Roland Garros en plus. Perrier Roland Garros, hein, donc c'était évidemment en période faste pour le tennis. Et je reviens, je vais acheter les tranquilles. Alors, je ne savais pas exactement comment utiliser le Perrier, parce que bon, j'ai pas envie de le mettre, pas vraiment envie de le mettre dans le riz, etc. Donc, je pense qu'en fait, on va le mettre par petites touches. Je vais l'utiliser comme petite touche pour en fait fixer les feuilles. Bah, je pense que je vais la rajouter un petit peu. Je vais en rajouter une touche. Oh, ce son ASMR, ASMR, ASMR. Je vais rajouter une petite touche de Perrier dans le bol où j'ai l'eau dans laquelle je vais tremper mes mains pour refaire ce magnifique. Bon, on y va, c'est parti. Ah, oh, les knacky balls n'ont plus aucun sens, mais regardez, oh là là, mais. Ah, elles sont chaudes. Regardez, on voit très bien les alvéoles, ce sont des petits ballons de foot, hein, incroyable. Bon, je les ai mis un petit peu trop longtemps, je pense, mais c'est pas grave. Je laisse un petit peu refroidir. Et donc, on va se lancer. Hein. On va se lancer. Je remets mon casque. C'est parti, un petit peu de stress là, un petit peu de trac. Mais on y va, donc je vous montre, hein, je trempe mes doigts. Allez, c'est parti, attendez, je revérifie le dessin pour pas faire n'importe quoi. Donc il faut les mettre au niveau du premier quart de l'algue. Non, ça c'est les... Ah oui, non là c'est mettre sur les trois quarts, donc les trois quarts de riz, et foutre les saucisses sur le premier quart. Ok. Et on y va. On y va, c'est parti. Le riz. Allez, on y va. Oh là là. Incroyable. Ça va durer très longtemps. J'aurais peut-être dû prendre une cuillère pour étaler ce riz. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire à la main comme les artisans japonais de jadis. Donc on étale bien, on fait une fine couche. Il faut pas que ça déborde hein, quand même. Oh là là, incroyable, le... Alors je veux pas non plus que... Je veux pas que ça déborde sur les côtés, voilà. Hop, on met comme ça. Ah, c'est bien, le toucher du... Le riz au toucher, là, c'est très agréable. D'ailleurs, je prends une petite gorgée de Perrier, parce que j'ai soif. Allez, maintenant, je peux pas l'ouvrir, putain. J'en fous de partout. Non, c'est bon. Petite gorgée de Perrier.
plus ou moins la potion magique. Hein. Et coucou John Dunbar, salut. Et oui, on peut adapter, cette recette s'adapte à plein de viandes, n'importe quelle viande, n'importe quel ingrédient finalement. C'est une recette de base, mais qui peut avoir n'importe quelle variante. Donc là, c'est à peu près ça, hein. Donc je vais en mettre encore un petit peu là, du riz. Bon, on va dire que c'est bon, j'en ai mis sur les trois quarts. Enfin, ça fait deux tiers plutôt, là, je sais pas. Bah attends, je fous mes mains dans l'eau. Bah, il y a du riz qui il y avait du riz qui plonge. Ah, c'est pratique. Et donc, ça, voilà, j'humidifie ce riz avec ce Perrier. Oh là là, oui, quelle touche merveilleuse. Donc, très bien. Donc, maintenant, on va mettre les saucisses. Alors, les saucisses, on va les mettre au niveau du premier quart. Donc, on les met là, en fait. On les met là. Oh, putain, c'est chaud. C'est super chaud, bordel. Alors, hop, hop. Putain, c'est chaud. Hop. Allez, on en met 1, 2, 3, 4, 5. On va en mettre 8. Hop. Et hop. Voilà, très bien. Donc là, on a une petite rangée de saucisses. Et maintenant arrive le moment délicat. Attendez que j'ai même pas mis de papier cuisson dessous. Ah putain, le con, j'ai oublié de mettre mon papier cuisson. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Coucou Lordexka, salut. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, humidifier les mains et on y va. On y va. Donc comment on fait? On fait comme ça, c'est ça? Oh là là. Oh là là, je le sens mal. Bon allez. Putain, je suis très très maladroit en plus. Alors, on y va, on y croit. Et c'est parti. C'est parti. Oui, 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 oui. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui. Merci pour le host, Jean quelqu'un. Oh, lui, il s'en va, là. La Knacky Ball qui s'en va. Donc là, il faut vraiment bien presser, j'imagine. Comment? Putain. Voilà. Oui, ça marche. Oh, putain, elle s'en va de ce côté, elle. Elle est pas assez tassée. Il faut que je tasse plus. Et voilà. Oui, quelle merveille. Ah, bien, il y a deux couches, maintenant, de machin. Attends, je vais mettre un peu de Perrier, là. Pour que les algues se concrétisent. Oui, non, il y a une Knacky Ball qui s'en va de ce côté. Non, elle s'en va de l'autre côté. Il faut pas que j'en mette sur les côtés. Oh putain, mais c'est pas du tout fonctionnel, là. Bon, c'est pas mal. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à un rouleau. Ça ressemble au moins à un rouleau. Merci pour l'os, le Xalmo. Et vous voyez, regardez. Oh là là, merveilleux. Donc ça ressemble à un rouleau, déjà. Alors, ce qu'on va faire avant... Bon, il y en a une qui s'est enlevée, je vais la manger. Avant de continuer, je vais prendre un couteau. Ah, je ferme comme des papillotes. Putain, mais il a raison, Axorm. J'adapte, je m'adapte. Un petit peu de Perrier. Hop. Et voilà. Oh là là, oui. Génial. Papillote. Papillote de maquis de sushi. Ah, bah voilà, ça c'est beau, ça. Très bien. Alors, je vais peut-être en faire une deuxième. Je vais la laisser de côté. Et puis ensuite, on va tester, hein. Je vais la mettre là. Hop. Allez. Parfait. Merci pour l'os, Lordexka. Allez, on en refait une. Maintenant, on a la technique. On a le coup de main. Ça va le faire. C'est parfait. Donc, on reprend une feuille. On n'a même pas besoin de papier cuisson, en fait. Hein. Ils disent papier cuisson, natte de bambou, je sais pas quoi. On n'a même pas besoin de natte de bambou. Hein. Franchement, faites ça avec ce que vous avez sous la main, ça ira. Ouais, je... Voilà. Hop. Je pousse un peu ça. Marou, j'en peux plus, JPP. JPP. Donc, le skill. On y retourne. C'est parti. Donc, hop. On humidifie les doigts et c'est reparti. Ah, une bonne potée de riz. Ah, poc, le riz. Allez. Là j'y vais au max. Et en fait on va en mettre encore un peu plus de riz parce que j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez là. Donc on va adapter notre recette. Donc on étale le riz afin qu'il y en ait un peu partout sur la natte, sur l'algue. Ça c'est génial quoi. Alors faut savoir un truc, c'est que normalement j'aime pas trop les sushis. Hein. Je suis pas un super grand fan de sushis. Mais là, en voyant cette image de recette nippo-alsacienne, mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, mais des sushis au knacky, là est la vérité.
Là se trouve la vérité. Là, va faire cuire les knackis, la bouillon. Ah, des bisous, Lord XK. Bonne soirée. Ah, la poutine. Bah oui, la poutine, ce sera la prochaine étape, peut-être. Mais la poutine, le problème, c'est que la poutine, faut pouvoir filmer la cuisson. Et moi, je n'ai rien pour filmer, là. Peut-être qu'il faudrait que... Ça doit exister, peut-être, des caméras Bluetooth, ou des trucs comme ça. Des webcams Bluetooth. Je sais pas. Je me renseignerai. Hardy qui est tellement salty. Très bien. Mais non, je vais pas couper mes knackis. Mes knackis, il faut les garder entières. C'est le principe. Le principe, c'est de garder les knackis entières. Ah, des knackis. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Non. Donc, on y retourne avec les knackis. Du ketchup et du cheddar et sur le riz. Il est fou, Maru. Maru, il veut me faire ses recettes bizarres. À base de ketchup et de moutarde, quoi. Moi, je suis un mec du nature. Hein. Je mange tout naturel. Hein. La salade, je la mange à l'eau, tu sais. Donc voilà. Non, j'exagère. J'ai un peu évolué depuis mon enfance sur ça, mais généralement, je suis un mec plutôt naturel. Genre les carottes, jamais de vinaigrette, par exemple. Mais non, mais l'oxydocopine va être totalement craquée. Elle va craquer devant ses knackis maquis. Alors elle n'est pas là, je lui fais la surprise. Est-ce que ce sera une bonne surprise? Je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Donc hop, on y va. C'est parti, oui! Oh, quelle roulade! Oui, en plus là, j'ai réussi à optimiser, si vous voulez, la roulade. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus ferme que l'autre rouleau. Donc ça c'est bien, ça c'est vraiment optimisé, on prend le coup de main. Ah c'est parfait. C'est vraiment parfait. Coucou Worm. comment ça se fait que Moubot il time out les gens? C'est bizarre. Ah y'a des ban words. Ah oui c'est vrai qu'il y a des ban words, je sais même plus ce que c'est les ban words. T'as dit Daron, un truc comme ça, non, t'as dû dire un truc genre, ou Bob Lennon, ou un truc comme ça, je pense. Bon, il me reste des knackis, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, ouais, je fais un dernier rouleau, il faut pas gaspiller, donc je fais un dernier rouleau, en plus j'ai encore pas mal de riz qui me reste. Ouais, le riz j'en ai fait un peu trop, hein. J'ai fait 200 grammes, mais... C'est pour ça, là j'ai mis plutôt 150-200 grammes, je vais mettre plutôt 150. Hein. Plutôt 150 grammes parce que 200 grammes c'est trop. Hein. Vraiment. Je vais le marquer. Hop. Hop, voilà. 150 grammes, cuit par absorption, un volume de riz, un volume d'eau. Alors. Donc, l'algue. On y retourne, c'est parti. Ah bah Bob le Chef, oui, Bob le Chef, c'est le chef québécois dont est fan Will Smith. Bob le Chef, c'est craqué. le chef aux blagues un peu douteuses, mais aux skills réels. Le chef qui fait des recettes à base de weed et de je sais pas quoi, là. Hop. Donc on y retourne. Là c'est bien, j'avais mis un petit peu plus de riz. Justement, de toute façon, j'en ai largement assez. Donc je vais refaire pareil, je vais mettre vraiment pas mal de riz. Vraiment sur les côtés et vraiment jusqu'aux trois quarts du rouleau. Hein, pour que ça descende bien. Ah, je pourrais faire un truc avec des burgers aussi. Parce que les burgers, tu les prépares à froid en fait. Ensuite tu les mets à chauffer, mais quand tu les prépares à froid. Donc on pourrait faire une petite préparation, un petit stream. Ah ouais, un petit stream burger, ça serait bien ça. Burger maison. Hein. Ça serait pas mal du tout. J'adore ça en plus. Voilà. Le riz est là. C'est bien. Allez, on a bientôt fini. Hop, on nettoie les mains. Des oignons et de la crème. Ils sont fous ces gens. Qu'est-ce que je mets dans mes burgers? Moi je mets dans mes burgers, je mets un steak, je mets du bacon,
je mets du cheddar. Je mets ouais, des oignons. De la crème, on va pas mettre de la crème dans un burger. Oh, il y a une espèce de... C'est dégueulasse, au fond des Knacky Balls, il y a une espèce de... Oh, de jus bizarre dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop, je sors les Knacky, je les fous là. Ça. Je les fous là. Là. Ah, c'est chaud. Une espèce de jus dégueulasse là-dedans. Bon, hop, je mets ça ici. Et donc on va... eh bien... Tiens, je vais rajouter un peu de riz là. Hop. Allez, c'est parti, troisième... Troisième roulade. Et on y va. C'est toujours un grand moment. Hein. Ah, je l'ai moins bien prise que l'autre. Ah. Voilà. Parfait. Très bien, très bien. Non, ça va le faire. Ah putain, non, ça sort sur les côtés. Merde. C'est pas grave. Allez, un peu de Perrier pour consolider le tout. Et voilà. Un peu de Perrier aussi ici, là. Pour fermer les extrémités ici, hop, et voilà, parfait. Oh là là, sublime! Ah, bon, ça c'est fait. Première étape effectuée, le Dark Souls de la saucisse. Ah, bah oui, les Knacky, c'est vraiment le degré zéro de la saucisse, hein, mais bon. C'était comme ça qu'KLC avait posté sa recette, donc je me suis dit, je vais faire des Knacky, quoi. Un petit peu de Perrier. Ah, coucou Piklit, salut. Tiens, d'ailleurs, avant de couper les Maquis, là, je vous montre ça. Que j'ai acheté récemment à une épicerie américaine en ligne, là, quand je cherchais du beef jerky. J'ai acheté ça. C'est des bonbons que j'avais trouvé déjà aux États-Unis, qui sont trop bons, quoi. C'est des Nerds Rainbow. Alors c'est en fait, bon, c'est pas très... Enfin, c'est... Il y a marqué No Artificial Flavors, là, mais en fait, le goût n'est pas artificiel, en fait, tout le reste l'est. Et en fait, c'est des petits bonbons. C'est vraiment des Comme des... Regardez à quoi ça ressemble. C'est comme ça, vous voyez. Des petits machins. Hein. Et en fait, ça fond sur la langue. Et c'est bourré de trucs artificiels, dégueulasses et tout ça. Mais... Made in the USA. Très bien. Donc, je vais chercher un machin, là, un couteau pour couper. Non mais il est fou avec ça, en saupoudreusant sur les Maquis. Il respecte plus rien le mec. Donc, un couteau pointu, comme celui-ci. Oh là, ça fait des reflets, waouh, trop beau. Donc un couteau pointu, je vais le rajouter dans la liste des ustensiles. C'est le seul ustensile dont vous aurez besoin en fait. Couteau pointu. Voilà. Un couteau pointu. Ah putain, mais merde, mais le truc, ça, c'est trop grand là, sur le côté, ma liste. Il faut que je la... Il faut que je baisse un peu la police. Voilà. De la cannelle. Non, non, mais... Après, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ah, bah très bien, Winnie. Bah, moi aussi, j'ai commandé du beef jerky. Que je n'ai pas encore testé, d'ailleurs. Il faudrait que je le mange. Donc, c'est parti. Allez, go. Oh là là, mais ça rend tellement bien! Regardez-moi ça! Bon, ça s'échappe un petit peu là, mais c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Alors là, peut-être que ça va se consolider un peu, donc il faut que... Voilà. En tout cas, ça se coupe plutôt bien. Franchement, ça se coupe bien. Regardez-moi ça! Oh là là, mais regardez-moi cette beauté, quoi! Ah merde! Et la saucisse qui est tombée! Mais bon, c'est parce qu'elle se maintient pas très bien, mais c'est beau quand même.
C'était joli. Il faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, mais là c'était pour vous le montrer. Et coucou Ridanos, salut. Ah oui, mais la planche à découper, oui, c'est vrai, la planche à découper, j'aurais pu le noter. Ça se coupe très très bien, hein. Franchement, 10 sur 10 sur la découpe des sushis. Allez, un petit dernier là, hop. Ah merde, mais ouais, mais là c'est le. Ouais. Là, ça c'est tombé ici, là. Hop, je la remets à l'intérieur. D'accord, donc avec un rouleau, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sushis. 6 sushis. Ok. Donc hop, je vais couper les autres. Donc 6, donc ça va faire 18 sushis en tout. Enfin, je pourrais les couper plus fin aussi. Enfin, je sais pas, je vais voir. Hop, on y va. Voilà. Ah bah lui, il n'y a pas de... S'il y en a une à l'intérieur. Ouais, il faut quand même essayer qu'il y ait à l'intérieur toujours un bout de saucisse, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Sinon, il n'y a que du riz, quoi. Donc c'est moins bien. Bah oui, ça a de la gueule, Poaman. Eh oui, hein, contre toute attente, voilà, tout le monde se foutait de ma gueule. Mais en fait, maintenant... Vous êtes jaloux, les jaloux jalouses, les envies prennent vie. Ah oui, mais ça c'est la saucisse, mais là tu peux mettre n'importe quoi d'autre, hein, Alexandre. C'est vrai que là j'ai pris les knackis parce que voilà, mais on peut prendre des merguez, on peut prendre, je sais pas moi, même des filets, des aiguillettes de poulet par exemple. Et des aiguillettes de poulet, ça doit être bon aussi, je pense, j'imagine. Allez. Ah, j'en ai fait un peu plus, là, j'ai l'impression que j'en ai fait un de plus, non? Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah oui, j'en ai fait 8 sur le deuxième, là. En coupant un peu plus fin, j'arrive à en faire 8, quand même. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir, ça. Donc, pour une vingtaine de sushis, a priori. En gros, quoi. On va les goûter, hein. Oh là là, on va les goûter, oui. Je pense que ça va être bon. Une galette bretonne et merguez halal. Ah. Vous remarquerez, hein, que j'ai mis un torchon là en dessous de mon plan de travail pour encaisser le bruit et pour éviter que le micro résonne, même si vous entendez tout, j'imagine. Bon, lui, on va le laisser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, hein. On peut en faire 8, hein. Si on coupe plus petit. Si je coupe plus petit, il y a plus de parts. Oui, effectivement, c'est fou. Ouf. Ah. Un petit peu de Perrier pour le repos du guerrier. Et puis, il va bientôt venir le moment de la dégustation, hein. Attendez, j'ai une notification de Hardy Weinberg sur Twitter. Que dit-il, moi, devant le stream d'Oxydo? Hop. Ah, balle de sang, un grand fan. Très bien. Donc, petite gorgée de Perrier, puis on va goûter, et puis je vais vous dire, hein, à quoi ça ressemble. Oh là là, mais Hardy, comme il est élitiste! Alors, je vais en prendre un qui est un peu, qui est bien quand même, qui est joli. Genre celui-là, il est beau là, lui, hein. Regardez ça, regardez comme il est beau. Donc il y a la petite trace de l'algue avec les trucs au milieu là. J'ai l'impression que j'ai coupé, en fait, il y a une knacky ball entière à l'intérieur, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Éphémère. Mais ben c'est super bon. Ah ben. Écoutez, je m'attendais à faire une moue dégoûtée en disant bon, j'ai peut-être fait n'importe quoi, mais en fait c'est super bon. C'est super bon, par contre, putain, ça doit. Je pense que ça colle, ça cale, hein. Ça cale énormément. J'arriverai jamais à manger tout ce soir, même avec Oxycopine qui va m'aider.
Mais de toute façon, ça se garde, hein, je pense. Franchement, là, les makis, on les met au frigo. Ça se garde jusqu'à demain. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre de la sauce soja ou trucs comme ça, mais là, j'en ai pas de la sauce soja. Et puis, moi, j'aime bien quand c'est nature. Mais après, c'est vrai on pourrait mettre un peu de sauce. Ah, sinon, on pourrait le tremper dans le Perrier pour voir. Oh là, oui, attendez. C'est vrai que comme ça c'est un petit peu fade, mais attention, la révélation. Le Perrier. Oh là, ça fait des. Oh, écoutez-moi ces bulles. Ah oh, oui, écoutez-moi ces bulles. Oui. Très bien. On va voir. On va voir ce que ça fait. Ce que ça donne. À mon avis, ça va être bon. Allez, on va prendre un. Qui est joli là, comme ça, celui-là, là, voilà, il est mignon, regardez-moi comme ça. Oh, regardez-moi comme il est mignon. Je veux être mangé, mange-moi, Occident, D'accord. Allez, trempette dans le Perrier, hop. Là, c'est vachement bon. C'est super bon. Ah, je vous jure, c'est super bon, putain. Incroyable. Ah, c'est trop bon dans le Perrier, putain. Ah, merci pour le follow, je ne sais pas qui. Winipod. Iwipod. J'arrive pas à lire derrière les trucs, mais merci beaucoup. C'est trop bon dans le Perrier. Je vous assure, je vous jure. C'est pas des conneries, hein. Je dis pas ça parce que voilà le Perrier machin. Je vous jure, c'est trop bon. Salut maître Denryu. Ah, mais c'est toi qui as follow maître Denryu, non? Ah, des bisous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je fais des sushis au knacky, c'est marqué dans le titre. Alors lui, il y a les saucisses qui tombent donc. Alors encore un petit. Ah, genre lui là. Lui il est mignon aussi. Regarde ça. Je vous jure, c'est super bon. Incroyable. Un mélange parfait. Exactement comme d'accord. Le citron du Perrier qui se mêle au fumé de la saucisse, le piquant des bulles qui se marie à la douceur du riz. Quelle poésie! Bah écoutez, je vous en proposerai bien, mais hélas, voilà, je ne peux pas vous les envoyer, je ne sais pas. Albundi, merci pour le follow, des bisous. Je ne peux malheureusement pas vous les envoyer par la poste, mais je vous assure que, eh bien voilà, c'est une recette à garder en mémoire en tout cas. Et encore un petit pour la route là, trop bon. Un coucou noir d'aise. Coucou à Sharp. C'est des gens que j'ai ratés. Au Crex, salut. Dans quel temps. Très 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 bon. Ah, je vous assure. C'est ouf. Merci pour le host. Fexol, j'arrive pas à lire les trucs. Il faudrait que je bouge mon machin, mon alerte follow là. Ah, je vais la foutre ici. Là. Merci pour le follow. Je devrais pas parce que là c'est vraiment par gourmandise, mais j'ai quand même envie d'en prendre encore un petit. Genre quelqu'un qui a une follow pour refollow, putain. Aromi, coucou. Ah bah oui, c'est sérieux. Ça déconne zéro, hein. Ah, c'est vrai que je devrais le passer en social eating. C'est vrai, hein. Normalement, là c'est social eating. Alors on va inaugurer le hashtag social eating. Ah voilà. Donc ça y est, je suis en social eating. Être à jour. Voilà.
Incroyable. Si j'avais imaginé faire un stream en social eating. Donc là, c'est vraiment par gourmandise. Je devrais pas. En plus, je dois faire un régime pour l'été là. Non, maintenant c'est trop tard. On est combien? On est 8 juillet. C'est trop tard pour faire le régime. Achaf, merci pour le follow, des grands bisous. Oh, c'est trop tard pour le régime de toute façon. Donc, allons-y. Merde, ma saucisse est tombée dans le Perrier. C'est super bon. Hein. Ouverture de paquet de nouilles la prochaine fois. Ah, la prochaine fois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai. Des bisous, Hardy. Mais non. Pas la peine d'aller en PLS, voyons. Tout va bien se passer. La farfale légendaire. Un gaming report. Oh là là, incroyable. C'est vrai que par rapport à la SGDQ, je ne sais pas ce qui est le mieux. Oh, est-ce que j'en prends un tout dernier pour la route? Allez, vraiment, c'est le dernier. Là, c'est vraiment, vraiment le dernier. Ça, c'est, j'exagère là. J'exagère vraiment là. Mais je vous assure, hein, franchement, essayez cette recette chez vous. Franchement, ça se fait très vite. Hein. Allez, juste à prendre la boîte de Fnafi Ball. Hein. Bon, vous prenez ces machins là, les feuilles d'algues nori machin, un peu de vinaigre de riz, mais de toute façon, même sans le vinaigre de riz, je pense que ça peut se faire avec du vinaigre d'un autre vinaigre. Hein. Un peu de Perrier, bien sûr, le Perrier important. D'ailleurs, je l'ai pas marqué en ingrédients. Voilà l'erreur. Évidemment, il faut du Perrier. La sauce au Perrier, la fameuse sauce au Perrier. Sauce au Perrier. La sauce au Perrier, très très important. Je vais baisser un peu la police. Voilà. Et donc, allez, ça, une fois que vous avez ça, c'est bon, c'est gratuit quoi. Faites ça tranquille, chez vous, prenez une petite heure, et voilà. Ah, c'est vrai que je mange sans Oxy Waifu. Mais là, elle a de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis déjà gavé, il en reste 16 quoi. Donc c'est parfait, hein. C'est parfait. Je prends des forces, voilà. Oui, c'est ça, des maquis. Oui, c'est ça, les maquis au knaki, c'est vrai. J'aurais pu... Salut, fraise. Bah, je sais pas, est-ce vraiment des maquis, vu le manque de poisson? Est-ce que le maquis... Il y a obligatoirement du poisson dans le maquis? Est-ce qu'on peut dire des maquis alors qu'il n'y a pas de sanglier corse? Vous avez compris ou pas? Sanglier corse, maquis. Ah mais oui, voilà, c'est vraiment... Oui, c'est ça. De toute façon, il y a le hashtag qui passe en bas de votre écran. Hashtag la gastronomie alsacienne. On est très clairement ici dans une recette des plus grands chefs de la néo-austrasie, hein, comme je l'ai dit au début du stream. On est vraiment dans une espèce de tradition orale, dans une transmission de chef à chef. Dans les brasseries strasbourgeoises les plus cotées, voilà. Donc là, c'est vraiment un cadeau. Finalement, je vous fais un cadeau, là. Là, je vous fais vraiment un cadeau. Oh, Marou, comme il est salé. Incroyable, quoi. Manque de fourré pour du maquis, double blague. Ah... Très, très beau. Bon, eh bien écoutez, voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Alors je vous ai donné, oui, le petit conseil saveur pour accompagner en dessert vos maquis, donc ces petits bonbons américains. Et puis que pourrais-je rajouter de plus? Eh bien je crois qu'on va se quitter là-dessus. Ah non, j'avais dit tout à l'heure que je vous lirai un bout de poème. Je vous lirai un poème. J'ai dit ça à quelqu'un, je sais plus à qui. J'ai promis que je lirai un poème. Alors là, je ne sais pas, je n'ai pas de poème sous la main. J'ai quoi? Attendez, j'ai des livres là. Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Ah, les contemplations, voilà. On va lire les contemplations. Allez, un petit poème des contemplations. Pour se quitter. Ah, un poème d'amour en plus. Oh là là, regardez-moi ce poème. Ah oui, magnifique. Ce poème-là, L'âme en fleurs. Le poème de Victor Hugo.
Il lui disait, vois-tu, si tous deux nous pouvions l'âme pleine de foi, le cœur plein de rayons, ivre de douce extase et de mélancolie, rompre les mille nœuds dont la ville nous lie, si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou, nous fuirions, nous irions quelque part, n'importe où, chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses. Ah, les haines jalouses, Victor Hugo parle de vous. Hein. Un coin où nous aurions des arbres, des pelouses, une maison petite avec des fleurs, un peu de solitude, un peu de silence, un ciel bleu, la chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose de l'ombre. Et quel besoin avons-nous d'autre chose? Ah, c'est ode, eh bien, à la vie rurale, à l'exode, dans les campagnes, voilà, loin des jalousies de ceux qui jalousent sur les streams de Maggie, loin des SGDQ, loin des dramas, voilà. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Eh bien, pas de problème, Genoyo, la prochaine fois que nous passons sur Strasbourg, que je passe sur Strasbourg, si j'y passe un jour, eh bien, je te contacterai afin de refaire cette cuisine traditionnelle, eh bien, carrément sur place, dans le lieu où ça a été créé. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, bientôt. Voilà, Medieval Soon, hein, c'est marqué sur le chat. Le meilleur FF, c'est Xenogears, petite dédicace à Axor. Et également Seiken Densetsu 3, mais avant cela, il y a la fin de la SGDQ. Voilà, Gaël, c'est pas de problème. Voilà, à bientôt, à très bientôt, et puis bon appétit, bien sûr. Voilà, le sel et le poivre du moulin.